Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Attendez. Il fait froid, comme vous pouvez le voir, il y a de la neige. Il est enfin neigé dans ce mois de décembre. Parce que d'habitude, il neige en janvier, mais bon, c'est pas grave. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo pour apprendre les bases de jonglage, ensuite le crossover. Et bah maintenant, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le tour du monde en jonglage. Vous allez voir, c'est très facile. Avec moi, tout est facile. Avec moi, on apprend easy. Et ta gueule. Je vais vous apprendre le tour du monde. Ça va être très facile. Vous inquiétez pas. Vous allez réussir. Tout le monde y arrive maintenant. Mais bon, il y en a qui savent toujours pas jongler. Il y en a qui savent toujours pas faire des skills, des tours du monde, des crossovers, des trucs comme ça, de pigeons et tout là. Ça a même pu faire. Vraiment que j'arrête moi, oh la vie hein. Ça devient chiant là maintenant. Bref, oublions tout ça. Maintenant on passe tout de suite à l'étape 1. Pour l'étape 1 les gars, ballon à la. Ballon à la main les gars. Et vous entraînez à faire ça. Ça, comme ça. Il y a juste ça. Tac. Sans que votre pied droit fasse ça. Ça non, c'est pas bon ça, ok? Ça. Ça, en restant comme ça. Ça. Voilà. Ça, c'est tout pour l'étape 1. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape, les gars, ballon à la main toujours. Sauf que vous faites un rebond, je fais ça. Il faut que vous fassiez tourner le ballon dans ce sens-là. En frappant bien. En frappant bien de l'extérieur du pied. Ici. Ici. Pas là, hein. Là, vraiment ici, pour avoir ce geste-là, pour que le ballon puisse tourner et qu'en même temps, puissiez. Oh, bref, voilà, tu m'as compris. Donc, on refait comme ça. Vous entrez à faire ça. Ok. Ça. Ça. Bon, là, il y a de la neige, c'est pas vraiment top, mais. Bref, c'est pas vraiment top parce qu'il y a de la neige. Mais ça se trouve, chez vous, il n'y a pas de neige. Ou faites toujours du plat sur le goudron. Il n'y a plus de neige, je crois. Ou sur la route. Tiens, la route s'est dégagée, donc c'est sur la route. Puis s'il y a une voiture qui klaxonne, tu dis « Ah tiens, je t'encule, moi !» Ou au pire, tu dis « Vas-y, tu me klaxonnes ?» Va regarder tes selfies sur YouTube, tu vas voir, tu vas kiffer. Tu vas t'apprendre le tour du monde. Tour du monde, voiture, tour du monde, voyage. Non, ta gueule. Bref, voilà, pour l'étape 2, vous faites ceci, vous faites à chaque fois ce geste-là, juste ce geste. Juste de quoi faire tourner le banc dans ce sens-là ou dans l'autre sens si vous êtes gaucher. Mais voilà, toujours ça. 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 Voilà, bon, là, il y a de la neige, je ne peux pas trop faire, mais voilà. Et maintenant, voici la troisième étape. Donc voilà, c'est situé en trois étapes. C'est très facile, il n'y a rien de dur. Donc pour la troisième étape, il suffit juste de. Ah, voilà. De prendre son ballon à la main. Attends. Oh, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. De prendre son ballon à la main, de jongler comme on a fait à l'étape 1 et ensuite de faire le geste comme dans l'étape 2. Et dans l'étape 3, tu as juste à faire ça. Voilà, c'est très simple, mais c'est très simple quoi. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Ok les gars, on est parti pour le tour du monde. Donc, attendez, non, pas grand, faut pas jongler comme ça, il faut jongler comme ça. Voilà, on fait qu'on joue comme ça. Vous voyez un trou, c'est sévère. Ok, bon. Donc, comme ça, on jongle, comme ça, et là on fait le geste. Bam! Et voilà. C'est fait. J'espère maintenant que tu vas réussir à le faire grâce à moi. Que tu vas réussir à faire le tour du monde et à épater tous tes potes. Tout le monde, tous tes potes, tous ces mecs qui se foutaient de ta gueule quand tu faisais juste. Tous les mecs qui se foutaient de ta gueule, et toi maintenant, quand tu faisais juste ça, et tous les mecs qui se foutaient de ta gueule, et maintenant tu pourras leur montrer ça. Et ça. Attendez. Ah. Et ça. Voilà. Mais avant de nous quitter, je vais vous montrer un peu de quoi je sais faire avec mes jambes, ok? Tout ce qu'on a appris, genre les bases, le crossover et le tour du monde. Je vais vous montrer ça avec une petite musique qui passe bien. Enfin, j'espère.
Mais avant de finir le petit skill, petit geste avec mes jambes à la fin, eh ben je te dis au revoir, ok? À bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, mec, le fun avant tout. Yeah, bitch! Yeah! Yeah! C'est pas moi!